Salut les amis, salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve jouer sur Blacklight Rétribution pour le second épisode. Alors, on était dans la personnalisation d'armes, donc je suis tombé aussi sur les autres onglets, je les avais même pas vus en fait. Donc armure pour acheter, encore une fois, ça coûte plus ou moins, c'est le même prix je crois. Ouais, donc les autres qui sont vraiment payants c'est juste skin, voilà, c'est juste des skins pour le fun. Sinon les autres casques, ça vous redonne quelques petits trucs en plus, donc de la santé ici par exemple. Donc on le voit en vert du côté droit, améliore grandement le PV, les points de vie et le temps de recharge. Ouais, ok, c'est pas les mains, c'est le casque. À part s'il recharge avec sa tête ou son cul, je sais pas, la tête dans le cul. Non, sérieusement, je trouve ça un peu bizarre, mais bon, pourquoi pas. Écoutez, vétéran bêta, ah, tiens. Un casque endommagé pour avoir joué à la bêta. Ah oui, bah oui, bah voilà. Moi j'ai le calme. Ouais bah je vais l'occuper hein. Ouais, c'est le même en fait. Pff, ils sont même pas foulés. Pff, les mecs quoi, t'es sérieux. N'importe quoi. Vivement leur remerciement hein. Et l'armure c'est pareil, non l'armure t'en as pas. Ouais donc il a des armures aussi qui te protègent. Voilà, gilet pare-balles lourd, quand il y a deux emplacements, maintenant ça prend plus. T'es plus lourd donc c'est un peu chiant pour courir mais ça te protège pas mal. Et merde, attends, ah ok, faut revenir en arrière. Donc il a le pantalon aussi, il a le camouflage, ça je sais pas à quoi ça sert. J'ai vu aussi pour l'équipement qu'on pouvait mettre, voilà, un petit truc en plus, je sais pas à quoi ça sert. Ah c'est juste, ah non, ah si c'est pour augmenter la cadence de tir, recul, ok c'est un petit truc en plus en fait. J'avais vu ça, je suis tombé dessus par hasard, c'était vachement discret. Ok ça augmente le cadence, ok. Oh bon, bon à savoir, et le matériel? Donc ça c'est pour mettre les grenades, vous avez des mines, un peu de tout, des grenades de couleurs différentes, des tomahawks, des protections encore en plus pour les grenades incendiaires et des trucs comme ça, des explosifs, réduire les dégâts, voilà c'est pas mal quoi. Et des pots, ça c'est ce que vous pouvez acheter en partie, vous avez des genres de petits frigos que vous pouvez ouvrir. Merde. Frico, je crois que c'est comme Planet Side 2, plus ou moins, je sais plus. Ouais, c'est ce truc que vous ouvrez et vous pouvez prendre ça. Mais ça coûte 400 CP et CP, je sais pas ce que c'est. Clairement, je sais pas ce que c'est. Je crois que c'était GP, mais ça a l'air d'être ça. Je sais pas. Je sais pas trop ce que c'est. Mais enfin, bon, donc personnalisation d'armes. Donc j'ai un petit peu monté les armes. On va revenir. Armure, équipement, voilà. Donc on a 3 classes. Je suis peut-être crasse au niveau, je sais pas, parce qu'on était à 3, maintenant on a à 4. Tant mieux, hein. Donc j'ai monté une mitraillette assez sympathique, voilà, elle fait bien son taf, maintenant j'ai pas encore réussi à me stabiliser niveau sensibilité, mais elle tape vraiment bien, sérieusement elle est pas mal du tout. Maintenant j'ai pas mis, voilà, je pourrais peut-être mettre un petit truc en plus, je sais pas si ça va jouer ou pas. Donc elle a combien de recul? Je peux pas avoir un petit truc sympathique, tiens ça vaut quoi ça? Visée, hanche, mouvement. Là il a trois, ah ouais mais non, toi c'est, oui, voilà. Ok, j'avais pas vu, ça s'achète avec du vrai argent. Et ça a défini, j'ai ouais, ça a fini. Ouais. Ouais, c'est permanent, ok, ouais, quand même. Ça doit être 1 € je pense, je sais pas les prix. Je vais pas regarder, je m'en fous. Sérieusement, ça m'intéresse pas. Donc j'ai été faire du. Bah, je suis tombé par hasard sur du mêlée, vu que je fais du parti rapide, mais je connais pas les maps encore, bah voilà. Je suis tombé sur du mêlée, donc. Le mêlée, ça va être le mode qui va vous dire casse-toi, désinstalle le jeu. Clairement, tu spawns sur les ennemis spawnent sur toi, ça cope devant les trucs. Si tu joues avec un pistolet mitrailleur, t'as pas assez de balles, tu recherches trop vite et t'as pas le temps parce que ça spawn derrière toi, la map saute, donc c'est. La mêlée générale n'a rien à foutre sur le jeu comme ça, clairement rien à foutre. En plus de ça, le système de casque, je sais plus, je crois pas que je vous l'avais expliqué, donc vous avez des mecs, si vous voulez, j'ai été voir sur internet parce que je me demandais ce qu'ils foutaient. Ils tripotent leur casque en fait. Et je me dis, mais c'est quoi ce bordel? Quoi, il y a un système de vue que j'ai oublié, donc j'ai été voir sur internet. Et en fait, c'est un système qui te permet de voir, genre système rayon X. Donc tu vois les mecs, les mouvements, tout en réel, genre comme Predator quoi. Parce qu'en plus, tu peux être invisible, ça on l'avait vu. Mais tu vois carrément à travers les mecs, donc t'as du pré-shoot qui se fait. C'est pour ça que ça traite de cheater. En fait, c'est ce casque complètement pété qui a rien à foutre sur le jeu avec une petite map comme ça. Surtout quand on entend les camps, le spawn kill. Voilà, c'est.
C'est vraiment une putain de blague. Surtout qu'on joue avec des mecs qui sont au niveau. Hein, je trouve pas ça très très normal. Surtout pour un truc où tu dois débloquer. C'est pas, voilà, c'est pas des niveaux. Les niveaux te donnent, à part peut-être la classe en plus que j'ai eu, ça m'a pas donné d'armes. Mais voilà, ceux qui sont déjà au niveau 3-2, ils ont des trucs permanents. Donc directement, t'es désavantagé automatiquement. Alors que dans les Call of Duty où la map est plus petite. T'as des âmes qui sont meilleures de ce côté-là, mais bon, tu as les équipements, tu les gagnes assez vite si tu torches la l'arme. Ici, ben, chaque jour, tu dois racheter, 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 ou tu dois économiser, mais économiser 1700 par équipement, plus les tenues à monter aussi permanent. T'en as pour une pompe, donc t'es désavantagé jusqu'à ce que tu aies au moins le torse monté en permanent. Et encore, je trouve que c'est beaucoup plus cher le torse. Voilà, c'est 5000 au lieu. C'est combien? C'est 1700, je crois, hein, des armes. Donc t'es salement désavantagé. Clairement t'es salement désavantagé. Voilà, c'est 1400. Enfin bon, à part ça, le jeu est sympathique. Le craft est vraiment bien foutu. Voilà. Tu as 4 exotes d'armes, tu les montes comme tu veux. Pistolet mitrailleur rafale, ça je vais le monter plus tard. J'ai monté mon sniper, mais bon, la lunette elle est pourrie. Tiens, je vais la changer justement. Avant de lancer de partie. Voilà, fusil de précision. Elle était dégueulasse. Donc je vais essayer de tomber sur une autre. Je sais même pas qu'est-ce que je pourrais foutre dessus. Vu qu'on les voit pas bien les trucs, c'est pas évident. Hein. On va essayer celle-là, on va toutes les essayer, écoutez. Voilà. Quoique non, la visée est dégueulasse. Il me faudrait un truc assez intéressant, simple. Tiens, celle-là. Elle a une gueule qui me plaît bien. Voilà. Donc voilà, alors pour remettre les armes par défaut, comme ça vous faites pas chier au début de partie, il suffit juste de faire le double clic gauche, je vous l'explique là, j'avais pas fait attention. Mais voilà, mais ça c'était vraiment discret, je l'avais pas vu. J'ai peut-être loupé autre chose aussi, je sais pas. Bon, il a le pistolet, mais je m'en fous. L'apparence, ouais, pff, écoutez, je m'en fous un peu aussi. On a du noir, c'est ce qui compte, hein, c'est la discrétion, donc le reste je m'en fous un peu, je vais pas acheter un truc rose dégueulasse. Le rouge il est beau par contre, j'aime encore bien. Vert, je vois pas trop l'utilité, surtout que c'est 500 pièces, hein, tout ça pour du camouflage, c'est quand même un peu dégueulasse. Ils auraient pu nous le fournir au moins par niveau, c'est du pet camouflage qui te spot encore plus, donc je vois pas trop l'intérêt de niquer la gueule comme ça. Enfin bon, c'est un détail, ça te rajoute pas, donc ça reste toujours un free to play, donc ça t'avantage pas plus. Surtout que là ça va te désavantager vu la couleur des trucs. Donc on va lancer. Voilà, partie rapide, à vite fait, comme d'habitude. Donc ça, c'est mon arme d'assaut. Je trouve qu'elle a une belle gueule. Avec une partie un petit peu à la cam. Je suis pas fan de la cam, mais là, je trouve elle est vraiment faite pour la longue portée, pas pour la courte. Ok, je vois la map. Donc ici, il y a peut-être moyen que je joue au snipe. Voilà. Je l'ai fait tout à l'heure ici. C'était un peu le bordel. J'espère que je vais pas tomber sur... Non, c'est du TDM. Ok. C'est pas du melee général, parce que le melee général, je vous jure que c'est la pire idée des développeurs, ça. Ils auraient jamais dû faire de melee général, là. Oh, il était bien camouflé, lui. Oh, j'avais pas one shot, quoi. Sérieux. Le mec, il campait comme une pute devant le tuyau. C'est honteux. What the fuck? Donc j'ai augmenté un peu le son moi du jeu, donc j'entends pas trop le jeu quand même. Mais bon. On va faire de notre mieux peut-être. Peut-être que j'augmente la sensibilité juste pour le snipe en fait. Voilà. Parce que là je l'ai monté pour l'arme d'assaut, mais il va falloir que je change encore. C'est pas finalisé, comme on dit. Qu'est-ce qu'il fout là au bout? Ok, il y a passage. Mais vraiment, ça va être encore. Oh, regardez-moi comme ça courbe là. Putain, mais sérieusement là. Les mecs. Alors, je sais pas si. J'ai fait tilt tout à l'heure en jouant un petit peu avec l'arme. Je sais pas si vous vous faites tilt sur l'arme. Ah merde, c'est la défaite. Mais le bruit de rechargement, c'est. Soit c'est Russ qui a copié-collé, soit c'est eux. Mais c'est le même. Le bruit de rechargement du sniper, c'est le même que Rust. J'ai flashé quand j'ai entendu ça. Oh! Hier je cherchais, je me disais que c'était sur Primal, mais c'est pas sur Primal, c'est sur Rust. C'est le bruit du sniper de Rust. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse à entendre. C'est carrément le même. 40x2. Ah ouais, mais j'ai pas gagné beaucoup. J'arrive en fait partie malheureusement.
On va pas s'emmerder. On va lancer direct. Mais bon, la mêlée générale, ça a évité. Le système de casse c'est complètement pété. J'ai même pas envie de jouer avec ça. C'est totalement. La map est petite, donc le mec qui te pré-shoot, il te détecte à travers les murs. Déjà que le pseudo, ça, tu le vois à 3 km, je trouve ça pas normal non plus. Le pseudo, il devrait être discret. Bon, je suis retombé sur la même partie, je crois. Non, je sais pas. C'est mal foutu. Sérieusement, moi quand j'avais joué, je sais bien que c'était Titanfall carrément. Les mecs qui jouaient tous robots, c'était le bordel. Je m'en sortais plus. Mais voilà. Déjà, rien que ce système de ping. Bon, là, c'est normal. Hein. C'est vraiment quand ça va être lancé que ça va être plus stable. Vous allez voir, les pings vont descendre. Voilà. Ouf, tu moi, j'étais carrément à 300. Et verra sur le ping, c'est un peu puant. Mais bon, sur ce jeu, tu fais beaucoup de bruit. La détection qui est dégueulasse, complètement cheatée. Le pseudo que tu vois à 3 km, c'est dégueulasse. C'est laxatif. Mais ça reste quand même assez agréable. Quand t'as pas trop de mecs au casque, ça reste agréable à jouer. Comme jeu. Ah, bien. Mais oui, mais à ma droite, sérieusement, ils poussent pas les alliés. Hein, les alliés. Pistolet mitrailleur. Regarde-moi sa cope. Hein. Non, mais t'es sérieux là? Doriol la grosse lopette. C'est spawn kill? Non, pas encore. Tant mieux. Bon, bah, on va descendre. Je la connais pas du tout. Je l'ai jamais faite celle-ci. On a blindé des maps. Hein. On se rend pas compte, mais. Allez, du pré-shoot, fils de. Allez, avec ton casque de FDP. Regardez, voilà, ça tripote sur le casque. Allez, ça recharge, mais ça va retripoter. Allez, tripote ton casque. Non? Voilà, si ça tripote sur le casque. C'est bien ce que je disais. Ah, je fais ta merde. Ok, là. Je vais prendre le fusil d'assaut ici. Je fais pas encore assez de dégâts avec l'autre. J'ai à peine 2000 mètres à essayer de la monter, mais j'ai pas encore trouvé le bon truc. Eux ils ont un sac, je sais pas comment ils font pour avoir le sac medikit, hein, c'est spécial. Ça permet de régénérer de la vie et tout, c'est. Ah. C'est assez. Assez pété. J'ai pas vu le sac dans le dépôt. Bah, dans l'inventaire à acheter. Et vu qu'il n'y a pas de système de classe, c'est un peu bordélique, bah, voilà quoi. C'est pas possible. Clairement là. C'est n'importe quoi là. S'ils mettent. En plus ça quand prendre des buts devant le spawn. Attends, il met 3 balles, il tue là, mais c'est quoi cette arme? C'est quoi cette arme là complètement pété là? Il met complètement 3 balles, les Evini. Elle fait un bruit en plus. Mais voilà, et sa corde. Et ça m'attend la grenade. Sérieusement. C'est quoi, il y a des médailles en jeu? Sérieusement, ça joue sale. Ça joue vraiment très très sale. Pourtant, ça joue plus ou moins bien sur le jeu. Hein. Il a du talent, hein. Non, mais il fait trop mal. C'est quoi quand même? Fusil rafale. Ah, ok. Ok. On va savoir. Il a pas mis le truc. Enfin, c'est plus son arme. Je les ai pas encore. Ah si, j'en avais piqué une seule dans ma rafale. Tiens, je crois que c'en est une seule. Ah non, c'est la même que la mienne. Non, mais quand tu veux, hein. C'est vraiment une blague, hein, les mecs, c'est toujours à 1% de vie qui crève pas, quoi. Les mecs, tu les chatouilles. C'est quoi cette couleur verte dégueulasse, quoi. Allez, détection mode cheaté. Putain, il n'y a pas un seul bon free to play qui est sorti, non? Pourquoi ils ont viré Fear Online? Sérieusement. Pourquoi ils ont fait l'erreur de virer Fear Online? Au moins il avait du talent là. Même si ça me traitait de cheater, c'était marrant. Boum. Je sais pas si je l'ai touché. Mais pour des mecs quand même, il faut beaucoup de cartouches. Allez, monte. Oh merde. Ok, tu tires. Ok, tu tires sur lui. Ah, bah si, j'ai pas le bon viseur. Hein. Que tu sois trop près comme ça. Je vais me remettre à la mitrailleuse.
T'as trois classes, mais bon, ça coûte beaucoup. Il faut vraiment jouer comme des pourres par jour. Si tu voulais trois classes vraiment monter, c'est un peu abusé quand même. Moi, je préfère quand même le système de Call of Duty. Bon, elle fait bien son taf. Non, mais regardez-moi ça, il est en pleine course, le mec, il me met une balle. Ah, ok, quelqu'un m'a complètement bugué. Ah, ouais, complètement bugué. Ou alors il est mort, je sais pas. Mais bon, mourir comme ça, c'est moins rageant que sur Varian. Parce que, voilà. Voilà, il m'a mis deux balles encore une fois. Puis il faut vraiment que je mette une tenue. Hein. C'est pas possible. Le mec, il encaisse beaucoup de trop par rapport à moi. Ah, tiens, lui, il a mis une batteuse avec le. Le truc du calibre 50. Le canon. C'est bizarre. Mais bon, si ça marche. Non mais regarde-moi ça, mais qu'est-ce que tu veux faire contre ça? Qu'est-ce que tu veux faire contre ça? Je peux rien faire! Je peux strictement rien faire. Il a fait quoi? Un sniper semi-automatique? Je sais pas. C'est craqué. Ah, ce bruit dégueulasse de Rust, sérieux, ça me choque. Tiens, on va un petit peu essayer ton arme. On va un petit peu essayer, allez bien. Alors, recule. Mais regardez, c'est même pas rageant, c'est minable. En plus, voilà, vous voyez, il recherche sa vie. Je sais pas comment on fait ça. Là, ça me dégoûte, moi, ça. En plus, ça recherche ceux de tes potes aussi. Hein. Ça balance un nuage en fait qui te régénère. Ah. Le pseudo cheaté qui s'affiche. Allez, le petit dernier kill. J'ai défoncé les jambes, le jambon. Oh, bien heureuse comme ça, lol quoi. Mais bon, vu comme ça, ils ont pas l'air d'avoir. Bah si, en fait, ils ont des armures, mais bon, ça a l'air léger. Je suis désolé, t'as vu celle de droite? On dirait qu'elle a la poil. Mais ça, c'est sûr que ce jeu n'est pas tout à fait rageant. Il a tellement de. Tellement n'importe quoi que. On a fait une sale partie. Hein. Oh putain, par contre. par contre. Ah, quoi? J'étais à 200 aidés là. J'ai vu 400, qu'est-ce qui s'est passé là? C'est où mes 400? C'est quoi ce bordel? J'ai vu 400 maintenant, je suis redescend. Quoi? J'aimais bien moi. Les 400. Bon. Donc le fusil d'assaut. Écoutez, ce qu'on va faire, on va réviser un peu. On va faire nos devoirs. Alors, personnalisation. Essayons de voir un petit peu ce qui ne va pas là-dedans. Donc, on va commencer par là. Non, non, c'était. Non, merde, j'ai pas assez pour l'acheter. Je pense le mieux ce serait d'acheter une scope qui est plus ou moins polyvalent pour toutes les situations. Ça me fait vraiment penser à celle de Planet Side 2. Clairement. Je vais la retester, je l'avais déjà prise. Voilà, c'est là qu'il faut que je change, je pense. Une arme d'assaut doit tirer loin, donc. Là, il y a carrément du désavantage, c'est pour ça que je l'ai désactivé. Voilà, là je redescends, ouais, non, de toute façon ça n'a rien à foutre là-dessus. Donc, faut vraiment regarder, si, voilà, celui-ci par exemple. On perd 3 points de dégâts, mais t'as plus de bonus. Quoi. Là tu perds beaucoup, là tu perds 3 encore, mais c'est encore un truc de sniper. Voilà, là, ouais, non, là tu perds beaucoup trop. Tu perds trop, hein. Là, je perds un point, mais regardez directement le vert, là c'est mieux. Là, le titan assaut, tiens, je vais regarder. Je vais continuer. Donc, le titan assaut. Voilà.
Les dégâts à la portée tout en réduisant la dispersion. Là, c'est quoi? Je passe à 73 de portée. J'augmente ma corps, j'augmente mon temps de visée. Ouais, celui-là est bien. Voilà. Elle ressemble à une belle gueule comme ça. Allez, petit test. Ah, par contre. Voilà, alors passe par défaut. C'est plus simple. Faisons un petit dernier test. 3 secondes, mais t'as... Tu rêves, mon gars. Tu rêves en couleur. Allez, go. Trouve-moi une belle petite partie. Mais bon, il va falloir que je trouve un autre free-to-play qui est mieux foutu que Blacklight, là, clairement. Va te faire foutre. Parce que vraiment, dès que t'as le casque, t'es désavantagé à ceux qui l'ont pas, quoi. Regarde, il est niveau 100, le mec. Mais t'es sérieux? Mais qu'est-ce que ça fout dans une partie avec des mecs de niveau E, quoi? Ça se fait pas, c'est ça, là. En plus, regardez, c'est carrément déséquilibré au Survarium. Sur 68, j'ai vu du 50 là. Voilà, du 53. C'est n'importe quoi de tomber sur des mecs comme ça, quoi. Les mecs sont déjà full stuff. Ça se fait pas, c'est ça là. Si on pouvait gagner les trucs assez vite, les permanents, bah, ce serait bien, mais bon, là c'est trop sale. Là. Si on gagnait les. Bah, en faisant des kills, si on gagnait tout, les accessoires et tout, bah, ce serait bien. Mais pas ça, putain, ça se spawn déjà les gros. Oh, j'ai pas de recul. Non, en bas les becs. Boum. Non, mais il s'est mangé une grenade. Regardez, elle a encore 1% de vie. Mais c'est quoi cette chatteuse, man? Bah non, en fait, t'en as même plus de vie. Il y avait même plus de vie, mec. La barre était 0. Et pourtant, il est toujours en vie. What the fuck, la blague. Ouais, j'ai pas assez de sensibilité. J'ai une sensibilité à longue portée, mais pas pour la courte. Alors, commande. On va essayer 12. Hein. Bon, faut que je... Ouais, ça m'a l'air déjà un peu mieux. Mais il va falloir que je descende en montant encore. C'est encore trop peu. Ouais, par là. J'ai entendu des coups de feu. Je sais pas du tout si je les back ou pas, mais. Voilà. Comment il savait que j'allais arriver là? Par son casque, voilà. Il tripote son casque toutes les 2 secondes pour détecter. Et il m'a vu, il m'a pris le shoot, il m'a balancé une grenade. Voilà, comment tu as un jeu. C'est dégueulasse leur système. C'est sale. Et j'ai même pas envie de les tester. Hein. C'est dégueulasse. T'as une petite map tout avantage et même ça, ça suffit pas quoi. Ils ont dû mettre ça quoi. Pour que les gens soient contents pour cheater un peu plus. Oh la triple. Oh j'ai fait une triple là non? Oh c'était beau. Ah, j'aurais bien aimé la quadruple. Oh la belle petite triple avec un chargeur, c'est beau ça. C'est quoi ce bruit? Lui il a mis un silencieux, mais j'ai. Ah si, un suppresseur. Ils ont pas tout à fait la même gueule qu'en partie. Ouh, ce qui. Quoi? Mais c'est même pas décalé! N'importe quoi. Ou alors il m'a. Bah oui, il a regardé à travers le mur où j'étais, et puis poil, il m'a décalé en dessous. On va lancer une petite croix. Tu as quelqu'un? Personne ne veut venir? Allez, ça m'a dégagé en 2 secondes. Ils ont l'avantage, hein. Ils sont plus camouflés que nous. Hein. Il a juste leur tête qui dépasse. Leur arme n'est même pas censée pouvoir tirer là où on est, vu qu'elle est en dessous. Les côtés palissades, mais eux ils peuvent nous tirer dessus. Mais nous, bah, on est carrément spot à 3 km tout court. Au moins jusqu'au pied. Jump. Allez, le spawn sur l'ennemi.
Ah ouais, plus d'autres spawns qui. Ouais. C'est tombé. Tiens, lui, il. C'est quoi ces trèfles? Les spawns aléatoires. Même Fear n'a pas osé faire ça, les spawns aléatoires. Et ils ont bien raison de ne pas l'avoir fait. C'est vraiment dommage qu'ils l'ont supprimé. Il était tellement balèze, tellement court. Non, c'est sûr, ça campait comme des FDP. Ça. Ça, c'est sûr, ça. C'était des gros FDP de campeurs. Hein. Ouais, bon, moi je prenais plaisir à les défoncer. Ça me faisait rire. C'était mignon. Je sais pas ce qui m'a sauvé, mais. Allez, décale-toi juste une fois. Moi je. Ah merde. Voilà, encore des détections. Il va encore tripoter, voilà, il tripote son casque pour voir les deux mecs qui sont de l'autre côté qu'il n'est pas censé voir. Hein? Putain. C'est dégueulasse. Là, il va me détecter encore là. Après, tu m'étonnes que des gens corp avec ce système dégueulasse. C'est tout à fait normal. Les mecs te pré-shoot peuvent te pré-shoot. Oh chier, il y en a encore. Hein. C'est sale, c'est tellement sale. Je suis deuxième, je fais du 7-8. C'est répugnant. Allez, directement. Allez, pré-shoot. C'est parti. Vas-y, tripote un coup. Ah, il a mis C4. Allez, tripote un peu ton casque, non? Oh, il sait qu'il est là, de toute façon. Pas besoin. Non, je vais encore approfondir, essayer de trouver un free to play qui vaut le coup. Qui vaut le coup d'œil. Ouais, je crois que ça va nous sauter dessus. Hein. C'est quoi ça? Mange dans tes dents. Oh, j'ai du mal. Je suis derrière le camion! Non, mais c'est quoi cette tente latence là? Je suis derrière le camion, mec! C'est quoi cette désaccro pitoyable? Je vois qu'il s'amuse autant que moi. Ça fait plaisir. C'est bon, tu l'as eu? Non, il est là. Là, il va monter les escaliers, non? Je l'ai vu, mais. Voilà, ah là, dommage. En fait, il faut vraiment faire le sage dans le jeu. C'est sauter de tous les côtés et faire du gauche-droite. Et vu que tu peux pas courir et faire du gauche-droite en même temps rapide, bah. T'es obligé de sauter comme un pecno. Sur l'air d'infestation où t'as tout le monde qui saute pour avancer plus vite. C'est clairement ça. Le mec, il est invisible. Je sais même pas si leur détection détecte les mecs invisibles. Chier, la personne là. Allez, quand même il m'a vu, mec. Allez, sérieux. Allez, le mec là-bas. Bah ouais. I'm just paying me. Non, off nous plutôt, j'aurais pas dû mettre les œufs. Mais c'est vrai que ça sonne mieux avec le. J'aime encore bien. J'ai même deux balles. Allez, tripote un petit peu ton casque. Ah, elle est bien son skin. T'as pas négueux. Ah, lui il est en mode Titanfall. Tiens, ça fait longtemps. On aura plus trop à voir. Ça jouait qu'à ça maintenant, on en voit plus. Allez, il est payeur aussi. Allez mec, petit aura. Qu'est-ce qu'il fait là?
Pourquoi ça lag comme ça? Raté. Allez, montrez-vous. Ouais, mais ça lag. Ça lag sévère. C'est quoi, c'est le serveur qui déconne? Bah non. Ah putain. Ah mais vas-y quoi, j'ai des rollbacks. Ah c'est immonde. Vas-y viens. Non. Non mais je l'ai tapé, je l'ai mitraillé et l'autre il attend quoi pour tirer là, mais c'est une blague. Le mode médecin cheaté là, qui te régène ta vie. C'est minable. Mais c'est rollback de FTP, mais c'est quoi ça? J'ai un bon ping, donc qu'est-ce qui se passe là? C'est le serveur, je pense. Parce qu'il y a un mot serveur qui déconne. Ils en parlent pas, mais. Je pense bien que c'est le serveur. Ouais, bah tant mieux que c'est fini, parce que là c'était horrible. Donc on gagne 500 quand on gagne et 300 quand on perd. C'est pas mal ça. La troll face. Attends, on va contrôler un petit peu. Là c'est moi le premier quand même de l'équipe, hein, bon, bon d'ailleurs. Ouais il y a peut-être non mais oui ça t'est cherché moi. Ah. 300 fois 2. Ouais ça sort le bug encore ça non? Ah non. Bon bah on va les économiser pour la prochaine fois même s'il y en a une. Mais je pense pas. Je pense que les amis on va s'arrêter sur ce jeu. Aujourd'hui, il est pas mal, mais voilà, beaucoup de désavantages pour très peu de plaisir. En tout cas pour moi, je sais pas pour vous, mais c'est trop pour moi, c'est trop. Pff, voilà, j'ai jamais aimé la simplicité, mais là, c'est tombé quoi. Si Fear Online, qui a une map encore plus petite, avait ça, je l'aurais insulté tous les noms. Là, les maps sont pas grosses du tout, t'as ça, ça te tue le jeu. C'est même pas comme si t'es prédateur ou quoi là, c'est carrément t'es un humain avec un équipement abusé. C'est triste. Rex il supprimait déjà les pseudos en ligne, qu'on les voyait pas comme Doom, voilà. Ou beaucoup plus discret, ce serait plus agréable à jouer. Ça te forcerait à regarder, là pff, tu joues même défoncé, tu vois les ennemis à 3 km. En plus avec le cache cheaté, t'es mort, t'es défoncé, t'es sous crack, sous morphine, tu peux jouer à ce jeu quoi, sans problème. Ça te mentirait du tout. Juste de trouver ta sensibilité, ton équipement et c'est fini. Voilà. Déposé donc. Non merci, je passe. Mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu quand même. Hein. Le jeu est sympa. Je l'ai critiqué, mais bon. La communauté est quand même plus intéressante que Survarium, il n'y a pas à dire. Maintenant, Survarium, il y a son côté survie de structure et tout qui m'intéresse plus. Ici, c'était un peu futuriste. Futuriste, je suis pas trop fan, même si j'ai fait quand même presque un an de PlanetSide 2. Encore, non, ça se dit vite, mais bon, voilà ce côté. Tout c'est voilà, je vais pas le répéter, mais ces trucs font que non, je peux clairement pas. Donc, je vais chercher un autre. Je vais bien trouver un petit First Assault. Ça pue la merde. J'aimais bien au début, c'est le même style, sauf que la map encore plus petite que Fear, donc elle est vraiment très très petite. Donc, ça finit du spawn, spawn kill, spawn kill, spawn kill tout le temps. Donc, adieu, au revoir. J'ai dit non, merci. Mais ça peut du même style quand même que Blacklight. Ouais, ça ressemble très très fort. Mais enfin bon. Allez les amis, je vous souhaite une très bonne soirée à tous. N'hésitez pas à vous abonner pour les nouveaux si le contenu vous plaît. N'hésitez pas à laisser des likes, ça fait super plaisir. Laissez des likes, faites pas vos putains tradés les mecs. Et je vous dis à la prochaine. Allez les amis, salut.